tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je reviens vers vous pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue aujourd'hui. Mais j'ai tenu à la faire aujourd'hui pour mon amie, hein, pour mon amie Sissi. Je suis sûre qu'elle sera contente de voir Yuna. Donc, on va faire un petit change avec Yuna pour le plaisir. Et surtout pour toi, ma Sissi, je pense bien fort à toi. Et accroche-toi, t'es forte, tu vas y arriver, hein. Allez, donc, allez, je vous mets sur mes mains et on change Yuna. C'est parti. Allez, pas dans le bon sens, Yuna. Voilà. Donc, voilà ma petite puce. Alors, hier, je lui avais mis ça en guise de pyjama. Parce que j'en ai pas beaucoup pour elle, en fait. Parce qu'elle est petite. Elle est plus petite que Lilou, donc du coup, voilà, faut gérer avec les vêtements, hein, ma chérie. Hop, on retient la tétute. Voilà. Après, je vous montrerai Lilou. Elle veut vous faire un petit coucou. Ah oui, ah oui. Oui, Lilou, après. Ah là là, chacun son tour, hein. Eh oui. Enfin. Dis donc. Voilà. Hop, c'est parti, ma chérie. Alors, Yuna est vraiment comme un vrai bébé. Hein. Vous voyez la tête, voilà, hein, ça bascule bien, tout. Voilà, ma petite puce. Donc, je lui avais laissé des petites chaussettes, hein, parce que comme elle n'avait pas de pied à son pyjama. Donc, du coup, je lui avais laissé petites chaussettes. Donc, on va essayer... ce petit ensemble-là que Béatrice, de la chaîne Béatrice Création Altea, avait offert pour Lilou. Mais bon, elle se prête les vêtements, hein. Il n'y a pas de souci. Lilou est très, très mignonne. Elle prête ses affaires sans problème. Hein, c'est vrai, Lilou? Oui, maman. Voilà. Donc, c'est un peu grand pour Yuna, hein, j'avoue. Regardez. Yuna n'est pas du même gabarit que Lilou. Mais bon, dès que j'aurai l'occasion d'aller sur un petit vide-grenier ou chose de genre, j'essaierai de lui trouver des vêtements un petit peu plus petits. Voilà. Bon, ça va aller, hein? Ah, ma pupuce. Bah oui. Hop. Donc, tu vois, Sissi, elle est pas malheureuse. Ouh là là, non, 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 non. Hop, là, on est à la recherche, enfin, je suis à la recherche d'un lit parapluie que je vais rajouter dans ma chambre pour les filles. Parce que bon, c'est vrai que ça commence à prendre de la place, hein, tout ça. Et trois, hein, ça prend un peu de place, hein. Donc, je vais faire ça assez rapidement. Hein, Mayuna? Comme ça, tu dormiras avec ta sœur. Donc, je vais lui mettre des petites chaussettes que j'ai achetées chez Action. Franchement, c'est vrai que bon. Hop. Voilà. On lui met un petit ensemble léger parce qu'il fait du soleil aujourd'hui. Mais il y a quand même du vent. Donc, on est quand même en avril. Et en avril, on se découvre pas d'un fil. La 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 l'air. Ah, maman! Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'es pas contente? Non, tu sens pas bien. Oh, Lilou, enfin. Comment tu parles à ta maman? Pardon, maman. Ouais, c'est mieux. Hein? Voilà. Donc, la petite Yuna. Avec ses petites baskets. Celles-ci, elles lui vont bien. Par contre, j'en ai une autre paire pour Lilou. Elles sont un peu grandes pour elle. Donc, du coup, je lui mets celle-ci. Mais là, bientôt, on va recevoir une petite commande de chez Tonton Ali. Où j'ai pris des petites chaussures. Tout ça, tout ça. Et on verra pour les filles ce que ça donne. Donc, Yuna, je lui ai lavé les cheveux. Maintenant, ils sont tout doux.
Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. J'aime beaucoup. Et moi, j'aime bien lui faire une petite houppette. Alors, hop, c'est parti. C'est vrai que je suis peut-être pas bien installée pour faire sa coiffure, mais au moins, vous voyez bien. Hein. C'est ça, le principal. Voilà, ma chérie. Alors, j'ai pas choisi le petit élastique que je vais lui mettre. On va prendre... Attendez. Oh. Ah, bah là, elle a la punk, hein. Elle est à la mode. Eh bah oui. Là, ses cheveux en l'air. Hop. Voilà. Alors, on va lui mettre son petit élastique. J'ai pris les cheveux comme il fallait. Je regarde. Hop, que ça tienne. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas des vrais cheveux, hein. Donc, c'est sûr que il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Il faut que maman elle soit douée avec l'élastique. Hop, pour que le petit papillon... Alors, je vais m'asseoir, hein, parce que sinon, ça ne va pas. Voilà. Allez, ma petite puce. Hop, on va accrocher ça. Pas de tirer les cheveux, hein. Bah non. Hop. Et voilà. Donc je lui serre pas trop, hein, évidemment. Ça sert à rien. Ça tient bien. Hop. Viens ici, ma petite puce. Voilà. Hop. On lui redonne un petit coup de brosse. J'adore quand elle a sa petite toupette comme ça. C'est trop mignon. Eh oui, hop, voilà. Maintenant, on va lui mettre un petit peu d'eau de toilette. Alors, je leur lave les cheveux avec du shampoing bébé, hein, tout simplement, que moi, j'ai pris dans une enseigne complètement classique. Alors, j'évite de dire les noms, les marques et tout ça, parce que sinon, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Hein, YouTube durcit un peu les règles. Hein. Voilà. Hop. Comme ceci. Attends ma puce. Je vais te faire un petit rabat parce que un petit pli, c'est un petit peu long. Voilà. Hop. Ça tatote. Voilà. Donc je vais vous remonter un petit peu. Vous la voyez bien. Hop. Et. Voilà ma petite Yuna qui est toute belle dans son petit ensemble. Vous voyez, elle croise les jambes. Voilà, comme un bébé, hein, il n'y a pas de souci. Hein, elle est trop mignonne. Je l'aime beaucoup, cette petite fille. Je te remercie, Sissi, de m'avoir fait confiance, de me la confier. Voilà. Elle fait partie intégrale de la famille. Voilà. Bon, alors, je vais aller chercher Lilou parce qu'elle me tarabusque, elle veut vous dire bonjour. Reste là, ma petite puce. Voilà. Viens, oh là là. Dis donc. Hop, viens faire voir comme t'es belle. Hop. Et voilà, Lilou. On tire la tête, hein. Voilà. Attendez, on va essayer de les caser. Voilà. On va toi, on va t'asseoir. Alors aujourd'hui, Lilou, elle a mis sa jolie petite robe, un petit collant. Mais on va voir ma culotte. Mais non, voilà. Un beau petit maillot et on a mis le petit ruban à Yuna pour les cheveux. Bah oui, hein, ça aussi, il se les prête. Maman, donne-moi Yuna. Oui. Ah bah oui, elle a une sœur, alors. Du coup, elle est contente. Attends, comment on va la mettre ? Comme tu veux. Comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Coucou les copains et les copines. Coucou les copains bébés. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis contente. Qu'est-ce que j'ai une petite sœur. Moi, je suis contente aussi d'avoir un petit frère. Hein. Et là, il fait dodo dans les bras de ma sœur. Oui, parce que même ma sœur, elle s'en occupe. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous en rendez compte, hein? Donc voilà, ma petite sœur, elle est trop belle. Elle est trop gentille.
Merci, si, si. Et surtout, soigne-toi bien. Voilà. Alors, peut-être qu'on va pouvoir avoir le petit frère pour vous le faire montrer aussi. Bien, mon petit chéri. Hop là. Le voilà. Donc, voilà, Thiago. Évidemment, tout décoiffé, hein, parce que sa sœur, elle l'a pris. Donc, voilà, Thiago. Thiago a mis son petit pull de printemps. Un petit jean, son petit bracelet. Et puis voilà, hier, tu racontes, Lilou, ce qui s'est passé hier? Alors, maman, hier, elle a été quelque part. Et puis, elle a emmené Thiago. Parce que c'est chacun son tour, hein. On ne peut pas y aller tous les trois en même temps. C'est pas possible. Donc, hier, c'était le tour de Thiago. Et ben, partout où elle est passée, eh ben, ils ont cru que c'était un vrai bébé. Pou, 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 pou. Les gens, quand même, hein. La prochaine fois, c'est mon tour. Et après, on emmènera Yuna se promener aussi. Parce que maman, elle a un porte-bébé, hein. On peut pas en mettre trois, hein. On est trop gros. Voilà. Donc, c'était pour vous dire ça. Et pour le plaisir de vous revoir. Eh oui, voyez, il fait encore dodo, celui-là, il fait que faire dodo. Il est sage, hein? Il est très sage, hein? Donc, maman, bientôt, eh ben, elle va nous acheter un lit. Un grand lit. Un grand lit. Ah! Reste là, Yuna. Un grand lit pour nous, les filles, pour pouvoir avoir de la place. Non, on prendra pas Thiago, parce que c'est un garçon. Oh là là, tutut de travers. Non, 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 Thiago ira dormir dans un autre dodo. Parce que nous, on est des filles. On aura un lit pour nous toutes. Ta la 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 la. Et t'as fini? Oui, maman. Donc, je vous laisse les copains, les copines. Passez un bon week-end de Pâques. Et surtout, hein, on mange pas trop de chocolat. Hein. Nous, on n'y a pas le droit. Coucou Lily Rose, Sarah, je m'en rappelle plus. Ah bah il y en a plein d'autres, hein. Ah, ma cousine Lina et mon cousin Malo aussi, hein. Le jumeau de Thiago. Vous savez tout avec elle, hein. Oui, et puis Lulu, et puis Lolo, et puis Charlie, et puis la toute petite Léa. Et ben ma sœur aussi, elle s'appelle Léa. Eh ben oui. Et puis, Hop. Et puis, Oh, comment elle s'appelle la nouvelle? Je m'en rappelle plus. Ah, moi aussi j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, c'est le bébé de la chaîne de Nefera. Elle a même jumelé avec Tata Sissi, hein, sur sa chaîne Instant Poupon. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà. Ça y est, t'as fini? Oui, je crois. Attends, je réfléchis. Oui, c'est bon. Tu dis au revoir. Au revoir, les copains et les copines. À très bientôt. Bisous, bisous à tous. Maman, tutut. Oh, bah, à peine fini, ça y est. Mais oui, je veux mon lapin. Ah oui, parce que c'est Pâques, alors du coup, elle a mis sa tutut lapin, mademoiselle. Voilà, tiens. Hop, c'est terminé. Bon, alors, je vais essayer de vous remonter parce qu'avec tous les trois dans les bras. Voilà, je peux pas faire mieux. Donc voilà, mon petit instant avec mes bébés. Surtout pour Yuna aujourd'hui. Voilà, c'était elle à l'honneur. Moi, bon, ils sont tous à l'honneur et tous les jours. Elle me l'a coiffée bizarrement. Hein. Je n'ai pas coiffée comme ça d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est un peu vieux... Voilà. Donc voilà, mes amis. Donc je vous laisse et je vous reprends tout de suite après. J'ai une vidéo courrier à vous faire et je pense que je vais mettre en même temps un petit tuto. Voilà. Donc au revoir, mes amis. À très bientôt. Gros gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Et si, courage, tu vas y arriver. Gros bisous.